On est si tu veux, on est safe nous. Mais faut la suivre. Allons-y. Quoi? Mais c'est quoi cette gamine? Hein? Mais toi tu es... Mais... Vous... Salut frère. Salut. Attrapez-les! Ils sont... Vous tous, attrapez-les! Espions, ce sont des espions! Il y a des récompenses! Bon sang, attrapez-les! Hors de mon chemin! Le chef de l'armée Qtaras, n'est-ce pas? Celui qui avait tué Kiba à Two River. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas le suivre, commandant? Hord va s'en occuper. Laissez-le faire. Bien sûr. Teresa, qu'importe ce que vous dites, on la laissera pas. Est-ce que ma voix est pas trop forte ou pas assez forte par rapport au jeu? C'est bas quand même. Baisse un peu quand même. Non, c'est pas respectable, voilà, quand même. J'imagine. Ok. Par là ! Ah ! Ils veulent se battre ! Qu'est-ce qu'on fait ? Another Dimension ! C'est mauvais, il doit y avoir des tonnes de soldats à la porte. On devrait fuir à travers les bois par la cabane de Teresa. Bonne idée, on doit sortir Teresa d'ici, même par la force. Comme si on pouvait en croire leur promesse. Par là ! Oh, le tir de Thor, mon gars! L'axe silencieux! Monte vite! C'est vrai, il a ça, il a tir de Thor, let's go! Bok! Bok! L'étoile juive. Pour la faciale. Ah, j'ai un chapeau. Le pouvoir de David, c'est stylé. Bah alors. Du coup, qu'est-ce que j'ai raté? C'est la merde. On sauve la mère suppléante de la ville. Et Joey nous a envoyé les soldats aux trousses. Parce qu'on est des terroristes, mon gars. Et du coup, on essaie de rejoindre Teresa, la mère suppléante. L'ex-mère suppléante. Pour ça, faut qu'on puisse aller dans la cabane au fond du jardin. Au milieu des cailloux. Thank you.
Ah, ils nous suivent en plus. C'est toxique comme relation, ça. Voilà. On est assez loin. Ça va aller, je pense. Quoi? Mais pourquoi, Joey? Le commandant qu'il connaissait bien... Qui connaissait bien l'heure dont a parlé Fisher, ça devait être Joey. Mais c'est difficile à croire, commandant dans l'armée Highland. Technique secrète de la pipe à la... au piment rouge, mon gars. ...348, ok. Excellent. Venez, il faut courir. Oh mon Dieu, monsieur Flick. Oh, vous me suiviez. Non, mais... qu'est-ce que tu fous là? Nina, elle m'a aidé. J'avais besoin de quelque chose, elle l'a acheté. J'avais peur qu'on me remarque trop. Flick, que faites-vous ici? Nous sommes venus vous chercher, Dame Teresa, pour nous échapper. La situation a dégénéré et s'il le faut, ils nous utiliseront la force. Nina m'a déjà informé de ce qui s'est passé. Alors, partons d'ici. Si nous restons ici, on nous trouvera en un rien de temps et... Non, je ne fuirai pas. Je ne causerai pas plus de souffrance à mon peuple. Une fois qu'ils m'auront prise, Green Hill n'opprimera plus Highland. Enfin, Highland n'opprimera plus Green Hill. Ce sera fini. Je n'ai pas le choix. Mais attendez! Lord Rio, excusez-moi. Je suis désolé d'avoir été d'aucun secours pour vous. Attendez, tu crois vraiment que je vais te laisser faire ça? Désolé, mais non. Si tu t'en mêles, j'attendrai à ma vie. Et merde. Madame, je vous accompagne.
Alors soyez le témoin de ma fin. Pourquoi se hâter de mourir ? Vaut mieux bien vivre. Non, vous ne mourrez pas ! Dame Teresa, vous vous êtes tellement battue pour nous. On savait qu'il y avait peu de réserves. Pourtant, même après, ils n'avaient pas souhaité du mal aux soldats de Muse. Je peux pas rester à regarder quelqu'un mourir comme ça, avec un si grand cœur. Hé hey. On n'a pas encore fini le taf. Allez, Rio. C'est... Ok, ok. Et du coup, on doit se retaper toute la forêt dans l'autre sens. C'est chiant. On a compris, Rio. C'est chiant. Ah, voilà. Alors, vous en êtes déjà, hein? C'est gentil à vous de vous être décidé à ce sujet. Et si poli aussi. Excellent. Attrapons-les. Comment? Vous résistez? Je ne vous laisserai jamais poser vos sales pattes sur Lady Teresa. Shin, qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Arrête. Et la maison de Wise Male n'existant plus, je ne suis plus mère. Vous n'avez aucune raison de faire ça. Ce qui se passe et je me contrefous qu'il résiste. Attrapez-les! Allons-y, Rio! Mais il faut la sauver! Excellent. Ha! Vous êtes revenus? Crétin que vous êtes! Parfait! Attrapez-les aussi! Mais on n'est pas assez nombreux! Vous avez tous demain. C'est vrai. Attrapez-les, mes fiers soldats! Faites face! Soyez unis! Et vainquez l'ennemi devant vous sans aucun problème, et qu'est-ce qu'il fait? Amando Dimension! Ah! Arrêtez de vous battre! Soyez pas ridicule! Ils reviennent? Qu'est-ce que... Rendez-vous! Mais attendez, vous avez vu ce qu'ils ont fait au précédent? On a toutes nos chances, on est 5 et eux ils sont 6! T'es pas très fort en maths, toi, n'est-ce pas? Un nom de Dimension! Oh mon dieu, c'est le même truc! Je crois que j'ai l'astuce, fermez les yeux! Regardez pas la lumière, regardez pas la lumière! J'ai fait bac L. Je vous en prie, je veux pas être responsable de plus de meurtres.
Des ennuis? Mais des ennuis pour qui? Mais qu'est-ce que... vous... Sors de mon chemin! Ouais. Nina... Non! Tu ne seras pas capturée! Mais si je suis capturée, tout le monde sera... Tu crois que tout le monde sera content? Dame Teresa, croyez au moins en nous comme vous avons cru en vous, combattu pour nous, nous tous. Lorsque nous avons perdu, conduit Green Hill à sa propre défaite, nous avons été meurtris par cette bataille. Sachant cela, vous voulez encore vous livrer à l'armée Highland? Vous voulez peiner encore plus les citoyens de Green Hill? Vous pouvez perdre des batailles ou même votre ville, mais s'il y a quelque chose de plus important que vous... Enfin, s'il y a quelque chose de plus important que tout ça, vous ne devez pas perdre! Je vous en prie, vous ne devez pas nous perdre, Dame Teresa. Protégez tous, Lady Teresa! Protégeons la mer! Oh, tout le monde. Oui, le peuple de Green Hill nous a trompés! Rendons-leur l'appareil! Ne laissons pas salir davantage le nom de Muse! Bon sang. Ils se sont trompés, je pense que c'est le peuple de Highland qui nous a trompés. Dame Teresa, vous êtes le seul et unique maire de Green Hill! Restez en sécurité! Et un jour, vous reviendrez reprendre la ville! Merci, je le mérite pas. Que dites-vous? On croit en vous, n'oubliez jamais! Je comprends, je promets que j'en reviendrai à Green Hill. Je marcherai à nouveau dans ces rues, je respirerai à nouveau cet air. Et mes lèvres prononceront à nouveau le nom de cette ville. Attendez-moi et je reviendrai. Ouais! Ouais! On dirait que les principales forces armées arrivent, on se casse! Tout le monde, il faut faire diversion! Citoyens, je vous promets que j'en reviendrai. Ils doivent avoir opéré une sorte de diversion, mais ça ne durera pas longtemps. Vite, Rio! Excusez-moi. Je passe devant, je dégage la voie. Rio! Et on doit passer à travers cette forêt à nouveau! C'est chiant! Rendez-vous, scélérats! Vous ne pouvez rien faire face à la puissante union totale de l'armée de... Chiant! Ah, esquive! Contre-attaque! Aïe! Raté! Aïe! Prenez mon argent! 9000 balles! Au secours! Scammed! Scammed! Des dégâts. Comptabilité damage! Ok. Très bien. Non mais... pas de problème.
Ça veut jouer à la puta de secours, ça jouera à la puta de secours. Pas de soucis. Luc, pas de soucis. Drive-by! Et mais tes mains, les canons trop vénères! Chine. Que Dieu vous garde, Malédie. Vous êtes pressé que ça? Vous êtes si pressé que ça? Ah ha ha ha! Eh ben, ils ont réussi à nous ralentir avec juste des gamins, c'est impressionnant. Enfin, c'en est fini pour vous, vous ne nous échapperez plus. Vous êtes horrible, horrible! Horrible? Ha ha, ce meuble parle! Ah, vous avez la moindre idée des ennuis que vous m'avez causés? Cette fois, je vous envoie au peloton d'exécution! Chine! Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas passer. Je ne permettrai pas, si vous mourrez! Ma loyauté n'est ni envers le maire, ni envers la maison de Wisemel. Mais envers vous, Tante Teresa. Qu'est-ce que vous dites? Bleh! Eh ben... Chad, move! Désolé, je visais l'utérus, mais je protégerai ta waifu. Merci. On y va, Ryo. Hey, mais il se barre! Suivez-les! Je vous laisserai jamais passer! Eh ben... Oh mon Dieu! Des fleurs! Et pourquoi du panique? C'est des fleurs carnivores! Oui, mais c'est des fleurs. Et? Bah, elles peuvent pas bouger. Ah! Ah oui, bah, contournons-les, effectivement. Ah, j'y arrive pas, elles me bloquent la route. Essaye! Attends, par la gauche? Ouais, voilà, parfait. Excellent. Sur Schneck. Trio. Voilà. Voilà. Ça passe par là? Ça passe pas. Allez. Oh mon Dieu, nous sommes encerclés! Mais par quoi? Par des gourdes! Et pourquoi tu me regardes comme ça? Des gourdes! Tout le monde à terre! Qu'est-ce que tu vas faire? Ma technique secrète! Ah! Tout le monde à terre! À terre! À terre! Macro! Explosion! Eh ben, t'es vachement forte, cette incantation. N'est-ce pas? Je l'ai apprise en prison. T'as fait de la prison pour ça? Ça m'a l'air excessif. Oh mon Dieu, des plantes! Putain, je déconne.
chimère. Je jette pas le sucre! Bon, leur nique leur race. T'as déjà 9 sucres au QG. Il en faut plus! Plus de sucre! Grosse canaille! J'arrive avec mon sucre. Ah, on dirait qu'on a réussi. Pour l'instant, mais on doit rester sur nos gardes jusqu'au château Talitaire. Ces terres sont encore sous contrôle Island. Pilika! Joey! Rio, Nanami. Ah, c'est Chad et meubles maintenant. Joey, pourquoi ? Rio, je te donne un conseil d'ami. Abandonne la direction de l'armée de l'armée de la compagnie Ktaras et fuis. Qu'est-ce que tu racontes ? La victoire de cette guerre est déjà décidée. Tout ce que vous ferez sera vain. Vous ne ferez que prolonger la souffrance. Tu veux dire, tu fais ce que dit Lucas ? Je ne permettrai pas à Lucas Blight de faire comme bon lui semble avec Island et l'Alliance. Mais alors ? Rio, il n'y a plus de raison pour que tu te battes. Rio, tu devrais t'enfuir. Les poursuivants, Rio, tire-toi! Joey, qu'est-ce que c'est? C'est un mensonge, j'y crois pas! Mon Joey, notre Joey, t'as jamais suivi les ordres de Lucas Blight, je veux pas y croire! Nanami, viens! Non, jamais, on est avec Joey! Oh, alors tu viens avec nous, Joey? Tu viens avec nous? Rio, dis quelque chose! Tu viendras avec nous d'une façon ou d'une autre, Joey. Captain Rod, je les ai trouvés par ici. Bon sang, Nanami, tu viens tout de suite. Continue, Rio. Adieu, Rio. Attendez, quoi? Excusez-moi, j'étais absent un instant, je faisais pas gaffe. J'étais... Mais t'étais où? Il y avait Joey? Ouais, je crois, je réalise, mais j'ai pas juste... J'avais juste cette chanson dans la tête. La forteresse du chant noir. Pour les chasses à après, c'est pas si grave, tu me diras. Je parle pas aux traîtres. J'ai rêvé où il y avait un ballon. Il était à la petite. Il semble que nous soyons sortis d'affaires, mais nous ne pouvons pas encore nous reposer. Rio! Retournons au château Talitaire. Un jour. Ah merde, excuse-moi. Bien, tiens, si ce n'est pas le commandant. Quelques rats doivent être passés par là, vous ne les auriez pas vus. Je n'ai rien vu.
Oh, je vois. Alors qu'un de mes hommes a juré les avoir vus venir par là, vous êtes commandant, mais vous êtes encore à nouveau venu. Sa Majesté Lucas Blight m'a demandé de vous surveiller, vous savez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il dira si je lui donne ce petit morceau d'information ? Écartez-vous, voulez-vous ? Attendez, Road. Nous étions là aussi, nous n'avons vu personne de suspect. Qu'est-ce que vous dites ? On détesterait que vous fassiez un faux rapport par jalousie du fait que votre ancien subordonné est devenu votre officier supérieur. C'est vrai, nous en sommes témoins. Ah, merde. Vous savez, il y a encore des émeutes dans Greenhild. Vous ne devriez pas y être. Ah, allons-y. Demi-tour, marche ! Pourquoi ma voix ? Pourquoi ? On aime bien Highland, c'est un pays magnifique. On ne peut pas rester les bras croisés et le laisser se faire détruire. La seule chose qui nous rapportera Lucas Blight, c'est la ruine. Et c'est pas notre intention. Cela ne serait pas agréable de n'avoir plus que de la terre brûlée une fois la guerre terminée, n'est-ce pas ? Joey Atreide, commandant de la 4e armée du royaume de Highland. Nous vous jurons fidélité. Nous connaissons votre objectif. Servez-vous de nous à cette fin. Culgan, Sid. Votre décision courageuse ne sera pas vaine. Merci. Où vais-je ? Que faire ? Pourquoi ? Avazine Rune de Two Rivers. Magasin Rune de Two Rivers, ok. Poder ! Rio, t'as pris le ballon de la petite ? C'est le mien ! J'en ai rien à foutre ! Quoi, que je vous croyais déjà parti. Allez, venez avec nous. Non, jamais de la vie. Ça frôle le racisme, ce live. On ne frôle pas. Frôler, c'est ce que t'as fait auprès de la femme que tu as aimée durant toute la durée du collège et du lycée. Et au final, elle est sortie avec Chad. Spoiler, Chad, il était de droite et raciste. Et il l'a pas frôlé, mon mec. Il l'a pétri. Du coup, non. C'est juste des accents, les enfants. Respirez. Et si vous dites « C'est terrible ! C'est raciste !» Dites-vous qu'en Angleterre, enfin, aux USA, ils le font. Mais c'est les USA, c'est pas l'Europe ! Ouais. Maintenant, dis-toi lequel est le plus sensible aux questions de racisme. Les USA ou l'Europe ? Donc moi, je fais les accents, je m'en bats les couilles. Et sinon, il y a des vrais arguments ou pas ? C'est plus drôle, ça donne de la caractérisation et ça décomplexifie les personnes et les personnages.
De plus, c'est du stéréotypisme classique que tu normalement as soit l'intelligence de décoder pour voir comme du stéréotypisme classique qui donne des personnages hauts en couleur et qui correspondent à l'œuvre et à l'époque, soit t'es suffisamment débile pour laisser ta vie se faire diviser sur des principes de race, de différence de couleur, d'expression ou d'élocution. Et dans ce cas-là, c'est pas moi le raciste, c'est toi, frère. Eh ouais. Madame! Mais elle était à la... Oh, Lord Rio, il y a bien longtemps, voici ma vraie profession. Pas faux, mais la strat Michel l'aime un peu. Oui, mais c'est du miel, hein, aussi. Voilà. C'est clair, il n'y a pas d'honte à avoir un accent. C'est marrant, faut profiter, si tu veux. Et ensuite, attention, argument ultime! Pourquoi j'aurais le droit de moquer de l'accent québécois et pas des autres? C'est par rapport à l'oppression, Bob, et c'est... Je m'excuse, hein. Mais les Québécois, ce sont ceux qui sont le plus morts lors du débarquement de Normandie. Si la France est libre, c'est pas à cause des USA. C'est à cause des Québécois, frère. Et des Canadiens, en général. Donc, en termes d'oppression, pour des mecs qui sont morts pour toi, je te trouve pas très poli, en vrai. Tabernac. Parce que les Québécois, c'est les Belges du Canada. Ça parle mal. Ah, putain. Non, mais voilà. Ça parle mal sur le chat. Enfin bref, fausse polémique de merde, fait par des gens de merde. De fait, je fais les accents. Au fait, madame, venez avec nous. Oh, allez avec vous dans votre groupe. Oh, j'aurais aimé. Yes! Et du coup, on a une sorcière à la maison? Je vais devoir demander à mademoiselle Yuri de s'occuper de la boutique pour moi. Voilà. Retenez bien mon nom, car c'est moi qui ai créé la polémique. Ah, c'est bien que tu te présentes. Oh non, des conséquences! Excellent. Allons-y. Tu donneras des plans de tortue sur les sorcières qui te pètent la gueule près de Greenhill. Ah. Je vends ma méga pinte d'abord. J'ai pas envie de vendre le pudding. Ce qu'il faudrait que je vende, en fait, c'est le sucre. Le sucre, je peux aller le vendre au truc de... Je peux aller le vendre au village des gobelins, là. Où est-ce qu'il est, ce village? Je crois qu'il est au sud de cette ville de merde. Va dropper avant. Ouais, mais j'ai peut-être pas la place dans l'inventaire. Tu vas me forcer à lâcher mon sucre? Jamais! Je vais d'abord le vendre! Les gains! Stonks! Mais il me moleste! Ah, village de kobold. Alors, où sont le marché? Le marché aux enchères. Là, let's go. Oh, la rentabilité.
Mais c'est rentable de rien! Les boules de cristal, par contre, c'est rentable ici. Ouais. Chez. Yuzu a de gros problèmes. Que doit faire Yuzu? Il s'est passé quoi? Eh ben, j'ai réussi à s'échapper avec les moutons de grand-père, mais les moutons, ils sont partis dans les bois. Tu veux que je les trouve? Ah, vraiment? Merci, monsieur. Les moutons, ils sont partis par là. Bon, ok. Alors, ça fait un mout-mout, deux mout-mout. Fait un mout-mout. Il reste plus que deux. Ça fait deux mout-mout. Ouah, c'est redoutable. Encore un et c'est tout. À part le coffre qui était là, il n'y a rien d'autre ici. Putain. Rends-toi, saleté! Là! Là! Vous êtes le meilleur, merci monsieur! Merci monsieur! Mais quand même, Yuzu a encore ennuyé, les moutons sont partis parce qu'ils avaient faim! Je sais pas où est papy, je dois emmener le mouton quelque part en sécurité! Ah, mène-les à la maison! Vraiment, je peux les emmener chez vous. Sans papy, je sais pas quoi faire d'autre. Merci, monsieur. Yes! Loli a rejoint le groupe. Le château totalitaire, je sais où c'est. Allons-y. C'est à droite, c'est ça? À l'extrême droite du continent, gamine. Oui. Pourquoi t'as indiqué les directions comme ça? Il fallait lui dire que c'était à l'est. C'est bien ce que j'ai dit. Où se trouve le château totalitaire? À l'extrême droite du continent. Pardon, moi ça me fait rire. Maintenant le drop. On rigole, ça va. Moi je dis c'est Oasis. La droite ou la gauche, hein, ça dépend d'où tu regardes. C'est sûr que si tu regardes depuis la Suisse, c'est plus à gauche. Hein. Bouc, 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 bouc. Mais... L'avantage de cette loli, c'est qu'elle élève de la bouffe, tout à fait. Essentiel. C'est de la bouffe qui convertit la bouffe en bouffe pour bouffe. Et ça, c'est génial. Une espèce de cercle vertueux qu'on adore. Ah, j'espère qu'il y a un avion dans ce jeu à un moment. Ce serait fantastique, un vaisseau volant. Outre tous les avantages intrinsèques à une loli, t'es dégueulasse. Ah, quel monstre! Ils n'ont pas une meilleure armure, les Klebs? Si, culé.
Voilà. La récup des écureuils sera plus tard. Alors, il nous faut des sorcières, c'est ça? Nope. J'essaie d'influencer la RNG. Tant pis. J'ai pas réussi à influencer RNG, ça aura peut-être plus de chance s'il y a 6 persos. Ah, parfait ça. Excellent. Pas de chance. Non, le loot n'est pas défini en start de combat. Le loot est déterminé par la RNG quand tu finis la round. Ah, et c'est selon ce que tu fais.
On va essayer de farmer à l'ancienne. Combien il m'en faut de ces plans? Parce que j'en avais un déjà, hein, mais... aucune idée duquel, hein. Juste un, car c'est le plan 2. J'ai déjà le plan 2, tu me dis, donc il me faut le plan 1. Deuxième fois, troisième, t'es banni. Voilà. Cherche pas des merdes que t'as pas l'intelligence de gérer. Ah, des vieilles. Ok. Drive-by. Drive-by. Blé, blé, blé. Merci, Zenmored. Allez, ça drop, là. Oh. Rien du tout. J'accélère, j'essaie de faire ça vite. Même si c'est peu efficace, je dois admettre. Ça veut pas drop. Thank you.
Pour ceux qui demandent, ces plans de tortue et d'autres donnent masse récompense comme des centaines de milliers de potes chez des ruines et d'autres. Sérieux? Putain, il faut les trouver, du coup c'est ouf. Et dire que j'en ai déjà la moitié, s'il y a que deux plans. Là! Non, mais pas eux. Il y a 4 plans de tortue, 4 de lapin, 4 de licorne et 4 de dragon. Et ici, on cherche 4 plans de tortue, Viculdo? Je croyais qu'il y en avait que 2. Enfin, ça drop pas, hein. Si t'as pas un code, si t'as un code pour les drops... Ah, putain. On charge la moitié, d'accord. Il n'y a que 2 plans sur 4 qui sont disponibles, c'est ça que tu veux dire. Oui, ce sera possible, le roudoudou. C'est complètement possible, no panique. Merci infiniment, Texas Granger. Gloire à feu, Pépé Citrouille, ouais. Mais du coup, t'es sûr que le plan que j'avais, c'était pas déjà l'autre? Enfin, bon. Quel enfer! Surtout que les vieilles, elles droppent pas, là! Quel enfer! Quand ça, je sais plus! Oh, merde! Écoute, j'ai fait une sauvegarde, on va rentrer à la barre. J'ai fait une sauvegarde, on va rentrer à la base. Ah, et des vieilles. Bon, bah, on laisse tomber, avec de la chance. Allez. Voilà. La musique coupe, c'est normal, c'est parce que je sprint. J'utilise l'accélérateur de l'émulateur. Le plan numéro 2 de la tortue est ratable, fair enough. Ok. T'auras besoin de farm le jeu de la corde pour un objet bien précis. Pas de problème pour le jeu de la corde, t'es gâté. Celui-là, on le maîtrise. Il y a 0 frame. 0 frame. Alors, pour les items... je peux couper par là, je crois. Non, attends, si je descends par là, c'est les items directs. Là, voilà. Voyons voir. Si on s'acharne depuis tout à l'heure pour rien, on va bien voir. Ensuite...
de la tortue numéro 2. Excellent, nous l'avons déjà. On a tout gagné, frère. Good. Du coup, je peux reprendre mon équipe, en vrai. Léona, elle est dans l'une des villes voisines pour s'alimenter en whisky. De merde, alors. Salut, mec. Je pensais m'en envoyer quelques-uns. Ah, une autre bouteille. Tout gagné à part le temps perdu. Ouais, mais good enough. Qu'est-ce qu'on faisait ici? Qu'est-ce qu'on faisait ici? Le mec, c'était Gaston. On a vraiment Gaston dans l'équipe, hein, TKT. Hein. Il est vraiment fort en plus. Qu'est-ce qu'on faisait ici? Qu'est-ce qu'on faisait? Quel était le but? Je suis sûr on faisait des choses intéressantes, j'ai oublié. Ah oui, le jeu de la corde. Et le détective, absolument. Détective, 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 il est, je crois... J'avais été oublié où il était. Peut-être dans la taverne. Oui, j'ai la vidéo de Gaston l'avocateur, oui. T'es caté. Hey Rio, qu'est-ce que tu veux? Ça va? Il est équipé! Oh là là! Un vrai magasin, on n'y croirait pas. Bah alors? Check les plans que tu as au total dans la réserve. Je n'ai que le plan de la tortue numéro 2, mon cher ami. Je vais le prendre sur moi. Je vais les garder sur moi maintenant que j'ai de la place. Je vais aussi poser les orbes qui ne me servent à rien. Voilà. Excellent. Ok, très bien. Donc du coup, il faut que j'aille voir le cuisinier pour lui donner les recettes. Il faut que j'aille déposer les livres à la bibliothèque. Pour l'instant, ouais, mais c'est pas intéressant. On peut attendre encore un peu. À l'étage. Tu peux laisser à la base le plan. Il est pas utile pour l'instant. Bah, je n'ai que le plan numéro 2. Notre mystérieux enquêteur pour qu'il bûche un peu sur Nanamix. Ah bah d'accord. J'avais entendu dire, mais je pensais pas vraiment que t'étais vraiment ici. Je suis choqué, Hi-Yo. Mais que diable, mais qui tu es d'abord? Je m'appelle Yukon. Je warge de parlement pour devenir les plus grands cuistots du monde. Hayo, je te défie dans un concours de cuisine. Si tu gagnes, je te donnerai mes recettes de famille précieusement gardées. Acceptes-tu? Mais qu'est-ce que je fais, Seigneur Rio? Bah, t'attends? Bonne chance!
Ça ne me compte pas du chef de l'armée de la compagnie Ktaras. D'accord, c'est l'heure du concours. Il n'a pas le choix. Pourquoi le robot, il est à la table? Commençons le concours de cuisine d'aujourd'hui, je serai votre présentateur. Tout d'abord, il faut présenter le jury. Une fin horrible attend ceux qui osent découvrir le secret de ses belles lèvres, la maîtresse des rues, Jeanne. Travailleur dur dans un ranch, elle a besoin de force physique. Bonne chance à la loli Yuzu. Blibli bloop, qu'y a-t-il lorsqu'il y a une poupée métallique et un cône tonneau qui font l'amour? Non, ça n'est pas Star Wars 8. C'est Gadget! Et Monsieur Flick est un homme de grand bon sens, il sera un juge impartial! Ces quatre juges vont évaluer vos plats! Votre challenger! Oh! Youku! Et le chef de l'armée, Hayo! Le jugement portera sur trois plats. Prenez vos places et préparez-vous à la cuisine! Écoute, pour l'entrée, une petite salade. Salade mayonnaise. Plat principal, je propose une tempura. Tempura sauce soja. Quoique, du sel pour le tempura. Et enfin, la glace avec du sucre. Let's go. Ils sont prêts? Que tout le monde vous entende! Cuisine! Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux rien faire. Tout d'abord, voyons ce qu'il pense de l'entrée du challenger! Soupe de tomates! Montrez-nous vos scores! Ah, ce ne sont pas d'excellents résultats! Mais maintenant, la salade à la mayonnaise! Ah, c'est de très bons résultats ici! Ensuite, le plat principal, la gyoza à la vapeur, montre vos scores. Ouh, de très bons résultats. Attention, attention, tout ceci est très risqué. Et les tempura, montre vos scores. Ouh, excellent résultat. Le robot, il note comme de la merde.
Le dessert du Challenger, une vichyssoise. Aïe, 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 ça ne marche pas. Hein. Face à une glace simple, au sucre. Et pas d'excellent résultat. Merde, mais personne n'aime ma bouffe, nique sa race. Les libérations sont terminées, les résultats sont clairs. Le gagnant est notre champion, Ayo. Yes. C'est l'heure de nous quitter, merci de nous joindre à vous et vous joindre à nous et merci. Bon, on l'a rincé ce fils de pute, excellent. Ta réputation est fondée, Ayo, tu es bien le grand chef qu'on dit. C'est une recette de famille transmise de génération en génération. Tu m'as battu, alors c'est à toi maintenant. La soupe de la tomate. Ma, merci infiniment. Grazie, grazie. Mouah, mouah. Adieu, Hayo. J'espère que nous reverrons bientôt. Ok, moi j'ai juste passé le filet des recettes en fait. Mangiare. Ok, c'est bon. Très bien, ça a été donné. Très bien. Ok. La généalogie en PLS. Mais ben. Très bien. Et donc, où ça, de où? Ça va pas être passionnant, mais il va falloir que tu prennes uniquement Rio dans ta équipe, ou alors avec Stallion. J'ai le droit de prendre Stallion? Dégueulasse qu'elle vend. Ça permettra de courir plus vite sur la map. Oui, bien sûr. Mais tu dis que si je dois être seul avec Rio, le fait d'avoir Stallion dans mon inventaire, c'est pas éliminatoire. De plus, je peux pas changer mon équipe. L'autre connasse est dans une ville pour aller acheter du whisky. Dès que possible, alors ouais, je pense, ouais. Du coup, allons-y. Where to, mon cher Vicu? Grande Halle. Ah, faut être plus précis, frère. Le Grand Hall. Ouais. Pas le jeu de la corde. Ah, c'est vrai. Jeu de la corde, où est-ce que ça se trouve? Est-ce qu'on a des fonds? 30 000 poches, on peut faire 3 fois le jeu.
le jeu était par où? Ah, il y a les graines aussi qu'il faut que je donne.
Ok, je vois. Il faut le virer. Il faut que je fasse des vraies conversations et pas juste la save. D'or! C'est flex ça ou pas? Il y a une barre en or massif, frère! À un moment, est-ce que ça paye ou. Parce que là, ça commence à être rentable de fou, frère, il faut le dire aussi là. C'est pour le commerce. Fuck! C'est de l'or ça paye! Est-ce que ça vaut 10 000 balles? Bon mystère. Allez, excusez-moi, ok. Putain, je les vois pas, hein. Je le vois pas, hein, le plan. Ça fait planter. Il a planté, brave Jean. Il a pas supporté cette victoire. En fait, je suis sorti trop tôt du mini-jeu. Et donc, de fait, ça l'a tué. Mais c'est pas grave. C'est ta faute, Pop. Oui, bien sûr.
Après, c'était stylé comme, comme action. Hein. Il y avait un petit peu un charisme, il faut l'admettre. Hein. Je veux pas dire, mais c'était là. Hein. C'est parce que tu cherches, Bob. Ouais, ouais. Après, regarde. Ça reste Chad Move à l'infini, hein. Faut pas déconner, hein. Tigre bois. Parce qu'avant, du coup, donc, Viculdo, où va-t-on ? Soyez bienvenus, Serino. Venez voir mes articles. Oh, ça vend des demi-casques. Demi-plaque ! Un bouclier d'acier, ça va, ça va. Il y a du bon matos, là, enfin. Et bisous, Kyogawa, bon courage. Salle du trône, du coup. Ah non, pas la salle du trône ! Je sais jamais ! Ah ! Pas la salle du trône, elle est démoniaque. Bon. C'est là. On l'a. Excellent. Nos plans sont bien en route, brave Jean. Dieu merci. Ok. Plus d'histoire, allons-y. Excellent travail, Seigneur Rio. Et ce doit être Lady Teresa. Bienvenue au château Talitaire. Oui, merci. Mais je voudrais être seul pour l'instant. J'ai besoin de réfléchir. Lady Teresa. Shin, tu es sain et sauf. Ah, on a pu s'échapper dans la confusion de la ville. Il y a beaucoup de chemins secrets à Grenhill, hein. Tu as réussi. Oh, j'en suis très heureuse. Fletcher, je suis impressionné. Sortir Shin de là, c'est un bel exploit. Ah, c'est pas seulement Shin, je veux dire. Seigneur Flick Non. Seigneur Flick, je suis dit que la façon dont j'ai agi a dû vous embêter. Mais je sais maintenant qu'il faut absolument que je sois à vos côtés. C'est notre destinée. J'ai suivi Fletcher, je vous embêterai plus. Ça me fait penser que je vous ai fait à Disney. Vite, 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 la soupe à refroidir. La 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 la. Au secours! Ah! Seigneur Rio, essayez de retrouver la tombe de Dame Odessa et d'y brancher un carburateur à, à polarité inversée. Mais pourquoi? Parce qu'elle se retourne tellement fort dans sa tombe qu'elle va inventer l'électricité rien qu'avec le mouvement. Après, elle se laisse pousser les cheveux, elle est impeccable, la gamine. Pourquoi ? Pourquoi ma décoration d'intérieur est à chier ? Pourquoi, quand on entre, il y a une table et de... Oh, Nanami, ça va ? Rio, tu peux pas dormir ? Qu'est-ce que tu... Il faut que tu dormes. Qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes malade ? Mais... Nanami... Let's go. Ha 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 ha.
Alors comme ça, tu as réussi à prendre Green Hill comme promis. Tu ne te contentes pas de parler. Oh, j'aime ça. Merci, my lord. Soit, moi aussi je vais tenir ma parole. Pour changer. Dis-moi ce que tu veux. Oui, my lord. Je voudrais votre sœur, la princesse Gilia, en mariage. Oh! Gilia, ma sœur. Oh, petit audacieux. Oh, mais c'est qu'il a du culot, on peut le dire. Est-ce que tu veux que je t'arrache ta langue, puis ta tête avec mon épée? Non, my lord. Mais je sais que Sa Majesté ne fait pas de serment à la légère. Aussi, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton idée? Parle! Si elle ne me plaît pas, je te promets que je vais couper ta langue, puis ta tête. Ou l'inverse. On va voir où ça va nous mener. Je ne peux pas en parler devant tout le monde. Enfin, comprenez-moi, my lord. Ah... Oh, je comprends. Excellent. Très bien. Tu viendras dans mes appartements plus tard et tu me raconteras ton idée. Tu as intérêt à pas me faire perdre mon précieux temps. Bien sûr. Bonjour, Rio. Il y a une autre réunion aujourd'hui, les seigneurs Victor et Chou attendent déjà. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Je te regarde dormir. Ouais, c'est ce que font les meubles. Bonjour, Seigneur Rio. Il semble que tout le monde soit ici. Flick est pas encore là. Désolé, j'ai été retenu. Mais t'étais où? Tu t'étais occupé à poursuivre cette petite peste de Nina? Tu me fais mal au cœur. C'est elle qui me poursuit. Il m'a volé mon bandana, elle l'a lavé. Il m'a fallu toute la matinée pour le retrouver. Regarde-toi, elle lave déjà ton bandana. Bientôt tes slips. Comment ça, mes slips? Ah, et là, c'est devenu triste. Bon. Tu vas me le payer, Victor. Il y a plus important, Chou. Pourquoi cette réunion? Êtes-vous prêt, Seigneur Rio? Je commence. Dans 5 des 5 villes et du royaume de l'État, South Windows a été détruite. Et Muse et Green Hill sont sous contrôle ennemi. Nous avons réussi à protéger Two River, mais Tinto nous est toujours fermé. Je crois que nous devrions former une alliance avec le seul membre de l'État qui reste, le domaine des Chevaliers de Mathilda. Leur armée est aussi forte que la nôtre, et si nous unissons à eux, nous pourrons attaquer l'ennemi sur deux fronts. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est toi le stratège, c'est pas mon taf. Ok. Green Hill étant toujours occupé par Island, nous devons nous rendre à Mathilda par petits groupes pour ne pas être repérés. Seigneur Rio, veuillez décider qui vous accompagnera. Personne! Les chevaliers de Mathilda ont été informés de nos plans. Allez au nord de Green Hill et prenez les chemins cachés dans les bois. Quand vous arriverez à Mathilda, ils vous accueilleront. Soyez prudents, Seigneur Rio. Maintenant, c'est à nous tous que vous appartenez. Ah bon? Soyez très prudent, Seigneur Rio. Un Gorudo, c'est un type dangereux. Hein. Seigneur Rio, prenez le chemin forestier au nord de Green Hill pour arriver au domaine des chevaliers de Mathilda. «
Un jour, il va falloir les faire, ces formations de bâtards. Bon. Et j'ai le droit d'avoir Stallion avec moi, Vikuldo, tu confirmes? Ça me permet de rencontrer les mobs que tu voulais que je rencontre. Hé, hey, on va au nord cette fois, bien sûr que j'ai bien avec vous. Non. C'est trop dangereux. Tu te moques de moi, me redis jamais ça. Non. Mais tu parles et t'as bien besoin de ta grande sœur pour te protéger. Non. Mais allez, je me moque de ce que tu dis, je viens quand même. Mais affirme-toi, laisse pas les meubles avoir une opinion. J'essaye. C'est difficile. Ah, elle est revenue. Tu veux changer ton équipe? Hey, elle m'accompagne, mais de manière polie, si tu veux. Excellent, et dans le convoi, très bien. Merci, Rhino Dragon. Excellent. Bon. J'ai mon gars et Stallion. Où vais-je, Vikuldo? Where to? Allez, retour entre Two Rivers et Green Hill sans entrer dans les villes. Très bien. Là. Voilà. Voilà. On y arrive. Excellent. Parfait. Ha ha. Facile. Des mouvements incroyables. Un bateau à full vitesse. Giga voile. Eh bien voilà. On progresse. C'est facile. Hu. Chou. Ok, Two River et Green Hill. Donc Green Hill est juste en face. Two River est juste en face, pardon. Il faut que je passe cette merde. Faut que je suive la route. Mais bon. J'imagine que c'était ça qu'on voulait. Ah bah tu l'as eu vite. Bah très bien.
Bon, bah très bien. T'as un tandem d'écureuils fantastique. Et du coup, où vais-je, mon cher Viculdo? La même entre Greenhill et Forest Village. Greenhill et Forest Village. Forest, c'est à Wag gauche, c'est ça. Mais du coup, il va pas me rejoindre là si j'ai trop de gens avec moi. Salut, pourquoi on voit pas les notes? Ça sent l'arnaque! Ouais, bien sûr, l'arnaque. Le génie! Auto-arnaquer les gens me faisant passer pour moi-même. Ce serait quand même goldé, j'avoue. Il y a des plans qui seraient incroyables. Bon, tu peux expliquer l'histoire du jeu? Des enfants terroristes se battent contre un général génocidaire. Et le général génocide, c'est un super nom ça. Legnerif, note-le. Parce qu'il y a le général massacre, mais quand il est ressuscité dans le livre 4, le général génocide. Let's go! Tu auras le ressuscité au livre 4? Aucune idée. Laisse le crever, j'avoue. À côté du colonel Holocauste. Le colonel Holocauste. Ah, mais ça sonne tellement bien. Alors, c'est horrible, hein, mais ça sonne tellement bien. Ah, putain. Caporal cannibale. Capitaine croque-mitaine. Sergent l'argent. Le sergent d'argent, c'est stylé, cependant. Major Destructeur, c'est pas mal. Sergent d'argent, c'est Victimus. Note-le celui-là, Negnerif, parce que le sergent d'argent, ça fait un super bras droit dans le livre 3. On va peut-être rentrer, ouais.
T'as déjà fini d'écrire le 2? Tu nous as pas vendu un produit mal fait, non fait en cours de production? Bah, c'était comme ça pour le 1, si tu veux, ça s'est bien passé. Et puis, c'est pas de la tricherie, frère, sinon je mettrais pas en précommande. Je mettrais en commande. Ben oui. J'aurais monté un site, tu vois. Pour éviter de me taper Amazon, toutes ces saloperies. Mène les premiers écureuils à la base et reviens. Ouais, je vais faire ça, ouais. C'est la bonne route que j'utilise là. Non, pour le coup, je ne suis qu'honnêteté, je le dis. Après. Après, vous faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. C'est la fraude la plus honnête jamais vue, parfaitement. Oh mon dieu, mais tu gagnes de l'argent, salaud! Ça, c'est génial. Le top du must, je crois, c'était un mec qui avait envoyé un tweet qui était là. Mais Bob, tu redemandes de l'argent pour le deuxième livre? Mais c'est honteux! Je devrais l'avoir gratuitement! Selon la logique du mec, il a mangé une fois dans sa vie au McDo, du coup le McDo lui doit un Big Mac. À chaque fois qu'il vient. C'est gratuit. le mec il vit le meilleur isekai. Hein. Un gauchiste, j'imagine. Ah, c'était difficile parmi tous les drapeaux qu'il avait de savoir lequel était vraiment le sien, mais bon. Cette critique assassine, la petite critique assassine sous-jacente. Aucun sens ce château, putain. Un Pokémon sur 4. Damn! C'est difficile, mais... Alors je sais que c'est le chemin long que j'emprunte là, mais c'est le seul que je connaisse réellement.
Le mec usurpe sa propre identité, fraude honnêtement et gagne de l'argent. gagne de l'argent sale. gagne de l'argent blanchi avant même qu'il soit sale, si tu veux. Pour le nom des dieux, t'as utilisé un générateur aléatoire ? Non. J'ai pensé à comment j'appellerais ce truc si je le voyais, si tu veux. J'ai triché au bac, j'avais toutes les réponses dans ma tête. Ce génie. Attends, c'est pas là. Ça rame du cul, mais bon. Quelle erreur, l'oubli de Stallion ? Bah non, parce que du coup, je peux récupérer deux Pokémon d'un coup. Prenez mon argent ! Le pot de vin a échoué ! Bon. Un autre dimension ! Tu as vraiment tenté de corrompre une grenouille ? Bah qui sait ? Picsou, c'est bien un canard. Bon endroit ? Ok. C'est derrière toi après, ok.
Tu connais une blague, merdique ou non, qui t'a toujours fait mourir de rire? Tu peux nous la raconter? Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Elle est Michel Lettière, mais moi elle me tue. C'est une blague de la reset, n'est-ce pas? Les Gnérifs qui commencent à me connaître beaucoup trop bien. I know. T'as bien fait un jeu de porn sur Twitch? Tu peux faire une blague à ce niveau? Alors, je m'excuse, mais non. Je peux pas te laisser... Je peux... Ok. Je peux pas te laisser parler de Age of Barbarian comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors Conan, c'est un film de porn parce qu'à un moment, il se tape une meuf dans sa cage, si tu veux. Voilà. Ou alors Conan, c'est un film de porn parce qu'à un moment, il y a une sorcière qui tente de séduire Conan pour le manger, si tu veux. Je peux pas te laisser parler comme ça. À un moment, tes parents sont des acteurs porno parce qu'ils ont fait l'amour pour t'avoir, si tu veux. Voilà. Grosse actrice porno, ta mère. Je te jure, elle a fait des trucs à ton daron, t'oserais même pas imaginer, tu vois. Pourtant, t'existes. Voilà, je peux pas te laisser dire ça. Age of Barbarian, c'est une merveille. Et c'est une honte, tu m'entends, une honte que Twitch ait banni ce contenu de la chaîne. Arena, la suite d'Age of Barbarian, je suis d'accord. Parce que Arena, la suite d'Age of Barbarian, quand tu termines le jeu, et si t'as fini le jeu bien, la vraie fin secrète, t'as la possibilité de te taper la princesse. Et là, il y a une espèce de scène qui est là pour l'aspect humoristique en vision 3D, parce qu'ils te disent de mettre tes lunettes 3D, où ton protagoniste se tape la princesse selon la personne que t'as choisie au début de l'aventure. Ça peut être une femme, ça peut être, je sais pas, le Minotaure ou le mec ultra baraqué. Là. Ok, why not? Mais Age of Barbarian, un jeu porno, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Derrière, il y a Cyberpunk avec des scènes full blown out sexe. Hein? Personne a dit R. Voilà. Personne a dit R. Donc je veux rien entendre. Je veux rien entendre. Age of Barbarian, ce jeu, jouez-y. Voilà. À savoir que jouez-y, Age of Barbarian. Age of Barbarian, je l'ai... Je l'ai platiné. Je l'ai platiné avec le mec et avec la meuf. Le jeu est si bien que ça. Voilà. Tout est bon dans Age of Barbarian. Absolument tout est bon. Tout est excellent. On parlait pas de Age of Barbarian, on parlait de Galéon. Non. Galéon, à côté d'Age of Barbarian, je vais dire les termes, c'est à chier, comparativement. Voilà, comparativement. Galéon, c'est génial. Le jeu, 21 sur 20. Mais Age of Barbarian, 40 sur 20. Minimum. Et vous savez pourquoi 40 sur 20 ? 20 sur 20 pour le playthrough avec le barbare, 20 sur 20 pour le playthrough avec l'Amazon. Voilà. 40 sur 20. Les DLC sont du miel, les persos sont du miel, les dialogues sont fantastiques. Ce prout était génial. Voilà, je suis désolé. C'est tout.
Kill la Kill, c'est comme Bayonetta. C'est de la... vous allez comprendre quand je vais le dire. Kill la Kill, c'est comme Bayonetta. C'est de la puérilité japonaise. Mais, c'est pas parce que c'est de la puérilité japonaise que c'est pas drôle, que c'est pas agréable et que c'est pas enjoyable, que c'est pas quelque chose qui nous amuse ou qui nous éclate. Which is fine, absolument. Ce qui est parfaitement tolérable et acceptable. Tout à fait. Mais c'est de la puérilité japonaise. Il faut le reconnaître comme tel. Dragon Ball Z, c'est une forme de puérilité japonaise. C'est du shonen, mais il y a beaucoup de puérilité dans Dragon Ball Z. Quoique, le scénario de Dragon Ball Z, ça dépend des arcs. Il y a des arcs qui sont bien mieux écrits que d'autres. Mais voilà, tu vois. Which is fine and fun. Absolument. Absolument. Comparativement, je suis désolé, entre DBZ et Princess Starla et les Joyaux Magiques, aucune différence. Enfin, aucune différence. C'est bien sûr que si, il y a des milliers de différences ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est clairement pour l'amusement des petits et des grands. Tu vois, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Cependant, Bayonetta et Kill la Kill, on est clairement, selon moi, dans de la puérilité japonaise visible. Là où tu commences à le voir, si tu veux. Au même titre, par exemple, regardez, vous allez comprendre, quand je dis puérilité japonaise, c'est de l'humour japonais, mais il y a ça aussi avec. Et God Hand aussi. Voilà. Qui pourtant est un jeu, mais incroyable. Enfin, pouf, ça. Brutal légende tière, tu vois. Mais c'est japonais. Tu vois. Voilà. Donc c'est pas gênant. Mais Age of Barbarian. Age of Barbarian, mon frère. Mais arrête, me pète dessus. Vraiment, je tombe pas sur le machin, Viculdo, ça me fait flipper. Y a pas une limite par rapport au moment où tu peux le récupérer dans le jeu ou pas une phase J'avoue que c'est long, ouais, voilà. Je me pose la question, en fait. Pourtant, j'en ai récupéré un first try, tu vois. C'est de l'aléatoire. Du moment que tu as récupéré le précédent Pokémon, tu peux avoir le deuxième. Il a récupéré le premier au début du jeu. J'avais Mucu, mais il était planqué derrière l'arbre. Oui, celui avec la cape rouge. Ok. T'es sûr que je suis la bonne route, là, depuis tout à l'heure? Ouais, bon, je te fais confiance. Tu m'as dit que c'était bon. Ils sont nourris. Oh, merde. Regarde, tu peux récupérer l'escalier, au moins tu peux courir avec. Ouais, mais ça change rien, ça. Maintenant que j'y suis, tu vois, ça change rien au taux de proc des choses. Donc tout va bien. Je vais trop loin. Non mais Age of Barbarian, le jeu est incroyable. De toute façon, on avait eu le temps de le finir à 100% avant que YouTube nous bannisse. Enfin, que Twitch nous bannisse. Donc moi, je m'en bats les couilles, j'ai déjà gagné. Sagnon offre une fuite à 100% en plus de la vitesse. Ouais, mais... Il ne doit pas entrer dans une ville pour reset le compteur ou un truc comme ça. Bah, il doit y avoir une phase comme ça, non? Bon, j'entre. Je sors. Attendez, non, vas-y, vas-y. Voilà.
Mais encore désolé, Bob, je vais essayer d'apprendre la différence avec l'aide du chat. Mais arrête de t'excuser, c'était pas de la faiblesse. Je me suis indigné, t'as le droit d'avoir tes propres opinions. Et si jamais tu penses que tes opinions sont mauvaises parce qu'elles sont nées d'une forme d'ignorance... Là... Ouais, ben voilà, let's go! Tout est pardonné, Ryu, nos dragons! Tout est pardonné, mais excuse-toi quand même! Oh là! C'est moi bon, où il s'appelle viande-viande en japonais. Donc maintenant, Vikuldo, where to? Avec un N, Niku Niku, viande. D'accord, pardon. Tant pis. On fait avec Niku. Ok, ok, pardon, pardon. Et Miku, ça veut dire quoi? Midori, je sais que c'est une couleur. Je crois que c'est vert ou bleu. Je sais plus. Midori, c'est vert. Très bien. Miku, c'est la chanteuse. Ouais, mais ça doit vouloir dire. Ah oui, c'est bleu. D'accord, ok. Ok. Et donc, where to? Par où, par où? Maintenant, la même entre Green Hill et le chemin Mathilda qui est en haut à droite. Ok, bah très bien. Chad, move! Le dernier du coup, de fait. Entre Green Rild et le bras en dessous de Forest Village, ok. We'll be right back.
alors ça bastonne là un peu là? Oh. Ouais, sauf que j'ai peur que là on ait trop de gens dans l'équipe et qu'en fait ils puissent te rejoindre que lorsque tu n'as plus de place sur la front line, si je puis me permettre. Ça ressemble à un, voilà, ça ressemble à un guac comme ça en fait. Comment tu es censé deviner la façon de recruter cela? C'est comme dans Golden Sun, les jeans que tu peux choper sur le terrain, en fait. Bon. C'est un processus, hein. On est tous d'accord. Je vais mettre un direct. Ah, let's go! Et voilà!